Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. Oh, là je vous vois, vous n'avez pas l'air de bon poil. Ah ouais, non, il s'est passé un truc dans la nuit, vous vous êtes mal réveillé, ça va pas. Bon, on va vous aider à passer une bonne journée. Pourquoi? Parce que nous avons un invité qu'on connaît bien sûr, mais qu'on n'a jamais reçu sur ce plateau. Alors il a un nom, un prénom basique, Stéphane. Il a un patronyme un petit peu plus compliqué à dire, à prononcer. Si je vous dis Stéphane de Grotte, ne croyez pas que c'est un homme des cavernes. Non, c'est de Grotte. De Grotte, Stéphane. C'est bien. C'est bien, hein, bien quand on met la main comme ça, de Grotte, pour accompagner Léo. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et oui, c'est vrai que c'est un patronyme qui a dû être écorché énormément, non? Oui, du coup, j'ai l'impression d'avoir plein de noms de scènes. De Grotte, de Grotte, de Grutte. De... Mais au début... Ça me rassure parce qu'au début, Benoît Poulvourde, on l'appelait Poulvourde, Poil Vert, enfin, il avait plein de noms. C'est vrai. Donc je me dis que ça, à mon avis, ça. Voilà. Bon, alors on dit que, bien sûr, vous êtes belge, mais ça, on le sait maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'en s'appelant de Grotte, on le devine. Ouais, ouais. Du coup, le 2, en Belgique, ça signifie qu'on est aristocrate? Non. Alors là, c'est. Alors quand c'est un petit 2, ça peut. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Et moi, j'ai un énorme D. D'ailleurs, ma belle-sœur, à mon mariage, m'a dit un grand nez et un grand D. Et c'est vrai que je porte mon dé sur mon visage. Vous portez aussi la barbe, vous l'avez toujours portée? Alors, non. Parce que c'est très tendance actuellement. Hein. Oui, mais ce n'est pas pour des raisons de tendance, c'est parce que je ne m'aime pas en étant complètement glabre. Oui. D'accord. Je préfère ça, je préfère... D'abord, ça m'embête un peu de me raser. Ouais, donc c'est un peu par paresse. C'est un peu par paresse. Ouais. Et puis, je me préfère comme ça. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui... Lui, alors, il n'a pas de barbe, hein, il ne me semble pas, là, hein, actuellement. Non, mais il a des cheveux, lui. Ah, ouais. Il est très clair, hein, en plus. Hein. Mais il a des idées claires aussi, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, il doit, je crois, s'appeler Alex Lutz. Ouais, c'est plus il est dans la loge. Ouais. Je ne sais pas si on écorche son nom. On lui demandera tout à l'heure. Ouais. Il va venir nous rejoindre parce qu'on va parler, évidemment, d'un film que vous avez en commun. C'est un joli film qui va sortir, c'est une comédie, hein, qui va sortir ce mercredi, Paris Willoughby. On s'en amuse, bien évidemment. C'est votre premier grand rôle, premier rôle? Alors, j'ai tenu un premier rôle il y a quelques années en Belgique. Ouais. Oui. Mais non, en France, c'est la première fois que j'ai un premier rôle. Oui. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité à Paris ou à Bruxelles? Ah, en sécurité? Ouais. Actuellement. Actuellement, j'ai envie de vous dire que je me sens... C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand il y a eu les événements ici à Paris... une semaine plus tard, on était en état d'urgence à Bruxelles, avec les écoles fermées, avec un état d'urgence où on nous disait les attentats sont imminents. Alors le terme imminent, ça va se passer dans les 10 secondes. Et donc pendant 3 jours, on était là à se dire dans 10 secondes, ça va péter. Et on nous disait que ça allait ressembler aux attentats parisiens. Donc on nous allait nulle part, on nous a dit qu'il y avait une dizaine de personnes dans la ville. Il n'y avait pas d'infos d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Ouais. Et quand ils ont ouvert les écoles, ils nous ont dit on reste toujours en urgence maximale. Donc on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ouvre les écoles alors? Donc il y avait un vrai climat d'angoisse et d'inconfort et d'insécurité vraiment assez important. Et aujourd'hui, vous le ressentez comment? Quelques semaines plus tard? Alors je pense qu'aujourd'hui, au fil du temps, on se fait une idée. On se dit que la situation a quand même fortement évolué par rapport à il y a quelques années où on vivait dans une certaine insouciance. Et puis, j'ai l'impression que plus les jours passent et ça va s'installer comme ça, c'est qu'on va vivre avec. Mmh. Et je pense qu'il faut intégrer cette nouvelle notion. D'une manière durable. Ça va s'installer, à mon avis, d'une manière durable. Mais du coup, il faut se changer. Il faut avoir un état d'esprit qui soit adapté à cette situation. Et au fil du temps, on va, à mon avis, malheureusement, devoir s'habituer à tout ça. Qu'est-ce que vous devez à vos parents? D'être mes parents. D'ailleurs, dans mon premier bouquin, je dédiais mon livre à mes femmes. Et je disais d'ailleurs à ma mère qui a fait de moi un enfant, à ma femme qui a fait de moi un mari, à mes enfants qui ont fait de moi un père, et à ces femmes qui ont fait de moi un homme. Et donc, ce que je dois à mes parents, c'est beaucoup d'amour. Et que pour avancer dans ce métier, il faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est la première des choses. Il faut s'aimer. Il faut être conscient de ses forces, de ses faiblesses. Et je pense que l'amour que j'ai reçu de mes parents... ont été cet atout absolu, celui-là, et qui m'a aidé énormément. Une famille aisée? Oui, une famille... moi, je vivais dans un univers confortable, et confortable au niveau matériel,
Mais moi, j'étais assez inconfortable par rapport à ce que j'étais, c'est-à-dire que j'étais très gros, donc j'étais très inconfortable dans mon corps, du coup dans ma tête. Vous dites gros, solitaire, dyslexique et même cancre. Ça fait beaucoup pour un seul homme, ça. Oui, mais ça fait pas mal pour se remuer et pour se lever et de se dire que, en fait, si on... Moi, j'ai nourri plein de rêves et je me suis dit, en fait, un rêve, ça sert à rien si ça reste dans une boîte. Donc, j'ai ouvert la boîte et j'ai voulu m'évader à travers toutes les idées que j'avais, toutes les envies que j'avais. Je voulais aller sur la Lune, je voulais être pilote de course, je voulais être en haut de l'affiche, je voulais... Je suis boulimique, voilà, c'est pour ça que j'étais gros. Et je suis boulimique de tout, je suis boulimique de la vie aussi, donc j'ai envie de tout faire. Je me dis qu'on est, on n'est pas là pour très longtemps, hein, si on y réfléchit bien. Et du coup, j'ai envie d'en profiter à tous les niveaux. Gourmand. Oui. À l'âge de 16 ans, vous décidez en fait de devenir pilote de course. Et ce sont ces images qui décident de votre avenir. Waouh. Gilles Villeneuve sur sa Ferrari vient de rattraper Jeroen Maas quand la roue avant gauche du Canadien touche le pneu arrière droit de l'Allemand. Éjecté de la voiture, Gilles Villeneuve est projeté contre les grillages de protection disposés le long du rail. C'est particulier. Affolant, ouais. Surtout quand on voit le corps projeté. Oui. Et ça vous a donné envie de devenir pilote. On a tous envie On a tous envie de voler. Hein. Envie de ça. Ouais. Non. Plus sérieusement, en voyant ça, moi qui n'étais pas très assuré, je me suis dit, on a parlé de lui dans le monde entier comme étant un héros de ce sport-là, un espèce de chevalier des temps modernes. Il occupait toute la place à travers un spectacle dangereux avec quelque chose de très excitant, mais de très aléatoire. Et je me suis dit, au fond, voilà une discipline qui m'excite, qui pourrait m'exciter pour toutes ces raisons-là, pour le côté spectaculaire, pour le côté... adrénaline alors là il meurt mais avant de mourir on se sent très vivant dans ce genre de sport. Mais vous dites pourtant que ça vous a appris l'humilité. Mais toute compétition vous apprend l'humilité, ça vous apprend à relativiser les choses et de se dire que c'est pas parce que vous êtes le meilleur que vous êtes bon. Il y a plein de facteurs, c'est comme les Césars, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui reçoit un César que c'est le meilleur acteur absolu, c'est qu'à ce moment là il s'est peut-être débrouillé autrement que les autres. La course, c'est ça, c'est d'apprendre à respecter ses adversaires, à prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, de mesurer les choses, d'analyser les choses. Et donc, ça a été, oui, ça a été une belle école de vie. Ça et l'impro aussi, mais on y reviendra. La ligue d'impro, oui. Donc, en parallèle, en fait, vous êtes à la fois pilote et vous tentez de devenir comédien, à la manière de Jean-Louis Trintignant, Paul Newman. Oui. C'était des modèles. C'était des modèles, c'était surtout que... Je pense qu'il y a un parallèle entre la course automobile, où la piste, c'est comme une scène, et il y a un public qui assiste à ce spectacle, et puis vous habillez... Ah ben oui, ça a de la gueule, ça. Vous mettez une combinaison, c'est un peu l'habit de lumière, le casque, c'est un costume, voilà. Et donc moi, j'aimais bien cette idée de costume. J'aurais pu devenir torero dans cet esprit-là. Et c'est vrai que Jean-Louis Trintignant, moi, j'allais le voir quand j'étais petit à Francorchamps. Et je trouvais ça hallucinant de voir ce comédien, quand même... C'est Trintignant, quoi. Et je le voyais avec son casque, sa voiture de course. Pour moi, c'était magique. Donc j'ai fait 10 fois les 24 heures de Francorchamps. Et la dernière année où j'ai participé à 24 heures, quelques semaines plus tard, j'allais tourner mon premier film pour Francis Giraud, qui a fait Le Bon Plaisir avec Jean-Louis Trintignant. Donc, c'était ma première expérience au cinéma. Et entre les deux, j'étais voir Trintignant au théâtre, qui jouait avec sa fille. Et j'étais le voir en coulisses. J'ai frappé à sa porte et j'ai dit, excusez-moi... Il faut que je vous parle, il faut que je vous dise que vous avez conditionné un pan entier de ma vie. Parce que vous l'avez réalisé, je me suis dit que c'était possible. C'est d'être pilote de course et d'être comédien. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Et il m'a parlé 2 secondes de cinéma et il m'a parlé pendant une demi-heure de course automobile. C'était très mignon. Il est toujours fan. Et il est toujours fan. De sport mécanique. Dès qu'il en parle, c'est comme un grand enfant. On le salue parce que je sais qu'il regarde beaucoup la télévision et qu'il regarde aussi Thé au café. Qu'il sache que je rêverais de le croiser à nouveau. Ouais, ça, je comprends. Allez, votre portrait par Magali Defer. Bienvenue dans le monde de l'absurde. Pour faire le portrait de notre invité, je me suis dit que le plus simple était de partir à sa rencontre, de faire un voyage en absurdie. Une destination pour moi inconnue qui se situe entre le saugrenu et l'irréel. Un endroit plein de grottes où l'on croise des proches, de Vos. Une fois là-bas, je tombe nez à nez avec lui. Le cheveu hirsute et la barbe de 3 jours, l'homme de grotte manie la plume d'une main et jongle avec les mots de l'autre. C'est le fait de lancer des mots en l'air et puis de les remettre dans un sens différent. Et donc c'est devenu assez ludique pour moi, de jouer avec les mots. Je lui demande s'il ne veut pas laisser tomber ses jeux de mots 2 secondes, histoire de parler vrai. C'est un problème, il faut que je sorte de ce corps à un moment donné, enfin de cet esprit qui devient fatigant pour moi. Alors on se pose, on papote, même si l'on est papote, il se dévoile enfin. Depuis tout petit, je pense que j'avais envie de faire un truc
différent. J'avais envie de faire quelque chose qui m'excite. C'est donc ça son moteur, l'adrénaline. Pendant 15 ans, il franchit la ligne au volant d'une voiture de course avant de franchir carrément les frontières de sa Belgique natale. Et quand il débarque de son absurdité chez nous en France, voilà ce que ça donne. Je comprends pas tellement bien vos questions, donc... Non, moi non plus. Bon, c'est vrai qu'il ne parle pas tout à fait la même langue que nous. Avoir une oreillette pour traduire, parce que je comprends. C'est de cette manière, si particulière, avec humour, qu'il a envahi notre espace médiatique. En plus, le De Groot est protéiforme, comédien au ciné à la télé, chroniqueur sur nos ondes ou encore écrivain à succès et même réalisateur le temps d'un court-métrage. Maître Corbeau, juger un homme qui a tenté de s'assassiner, vous appelez ça un procès d'intention ? Parfaitement. Bref, il brouille les pistes et de délire verbal en divagation lexicale, il a bien failli me semer. Alors Catherine, ne vous laissez pas désorienter. D'accord. Car ce matin, dans Thé ou Café, il risque encore d'extravaguer. Voilà, alors maintenant tu finis dans ta chambre. Ah merci, j'aime bien ce portrait. Magali Defer, votre personnalité, est-ce qu'elle est tout autant décalée que votre humour, hein ? Oui, je pense. Je pense que j'ai... comme j'étais pas très à l'aise avec ce que j'étais, j'ai toujours vu les choses de biais. Et j'aime bien ça, parce que du coup, on prend du recul sur les vraies choses et on peut les analyser autrement. Alors, on sait vos chroniques, quand on lit aussi les trois livres hein, qui sont sortis, qui font un tabac. Hein. Les deux premiers, je crois qu'ils ont été vendus l'un et l'autre à 500 000 exemplaires. Oui, c'est ça, oui. Hein, c'est ça. Là, il y en a un troisième, je vous le présenterai tout à l'heure. Il y a de la musicalité, en fait, dans ce que vous faites. Est-ce que vous considérez, en fait, comme, vous voyez, comme un batteur, un instrument liste, voilà, qui aurait le rythme en permanence dans l'oreille. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a des gens qui m'ont peut-être pas forcément inspiré, mais sensibilisé dans mon travail, je veux dire. Des gens comme Gainsbourg, plus que peut-être que De Vos. Parce que les mots, véritablement, pour moi, sont comme des notes. Et j'ai tendance à les mettre sur une partition et de les entendre résonner et de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup à l'oreille. D'ailleurs, il y a certains réalisateurs qui ne regardent pas forcément le jeu des acteurs, mais qui jugent, qui jaugent la qualité et la justesse de leurs propos juste à l'oreille. Et donc, c'est très important d'écrire à l'oreille. Et oui, donc il y a un côté très musical là-dedans. Donc, lorsque vous écrivez, vous dites ensuite votre texte oralement, non, pour l'entendre? Je le donne à lire à ma femme. Ah. Et comme ma femme... Odile, qui est scénariste. Bien sûr. Et qui vient de réaliser son court-métrage. elle a un esprit très critique, très objectif, que j'estime beaucoup. La manière dont elle lit ce que j'écris, sans qu'elle fasse de commentaires, à son intonation, à sa manière de le lire, je me dis, tiens, là, il y a un problème, là, c'est pas fluide, là, ça fonctionne. Et donc, c'est important pour moi d'entendre, comme une musique, d'entendre... les accords. Vous dites préférer l'ironie au cynisme. Mais oui, parce que ça n'a rien à voir. Quelles sont les limites, voyez, les frontières ? Mais parce que l'ironie, déjà, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus naturel que le cynisme, qui est peut-être une posture et qui est un sentiment que je trouve assez vil, enfin une démarche assez vil, qui ne m'intéresse pas du tout. D'abord parce que je trouve ça très facile, que c'est pas très constructif et que c'est pas très amusant. Et que j'aime bien les choses amusantes. Et dans l'ironie, je trouve un sourire, je trouve une manière de dédramatiser les choses. Je trouve que c'est une manière de ne pas... alors, ça peut paraître très, 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 très tarte à la crème, ce que je vais dire, mais c'est une manière de ne pas dévaloriser l'autre. Mmh. Moi, j'aime bien fonctionner, travailler dans un esprit de construction plutôt que de déconstruction. Ne pas dire du mal, nécessairement. On peut égratigner les gens, mais avec de l'ironie, c'est plus drôle pour tout le monde que du cynisme où c'est... je trouve ça facile et pas très intéressant. Une grande part de méchanceté en plus derrière. Oui. Hmm. Quel est votre rapport, vous, à la caméra ? Puisque aujourd'hui, caméra il y a dans votre vie. Avant, c'était la télé, aujourd'hui, c'est le cinéma. Vous avez une caméra là, comme ça en face de vous. Vous l'aimez, cette caméra ? J'ai l'impression que cette caméra m'aime de plus en plus. Parce qu'on s'est un peu trouvés, tous les deux. Mm-hmm. Au début, j'avais un peu de mal avec la caméra. D'ailleurs, ma toute première expérience de cinéma, c'était avec Elsa Silberstein. Dans Mina Tannenbaum, j'avais une scène. Et c'est la première fois que j'avais une caméra en face de moi et j'ai vu un énorme truc. Et je me dis, mais c'est pas possible de jouer avec ça. Est-ce qu'on peut pas enlever la caméra pour tourner cette scène? Et donc, elle était tellement mauvaise qu'ils l'ont virée. Donc, il n'y a pas cette scène au montage. Et puis, petit à petit, on l'adopte et on fait avec. Et ça devient carrément un personnage dans un plateau de cinéma. Mais c'est une amie? Ça devient une amie, ça devient une complice. Ah ouais. On en joue un peu.
Alors au cinéma, il ne faut pas trop en jouer parce que sinon ça devient compliqué. Mais et un quand peu cabotin, on fait de la télé, ouais. Oui. Et d'ailleurs, j'ai dû gommer ça au cinéma. Mais sur des plateaux de télé, ce que j'ai pu faire, ça devient vraiment quelqu'un qu'on regarde du coin de l'œil, qui nous accompagne, qui nous porte, qui nous sert. Donc ça devient un outil. Vous sentez aujourd'hui, Stéphane, légitime ? Alors, j'aime bien votre question parce que effectivement, à un moment donné, je me sentais illégitime, n'ayant aucune formation de rien. J'ai été 10 minutes à l'école, maximum. Je suis vraiment un autodidacte et je fonctionne à l'instinct. Donc, forcément, que dans des univers assez pointus sportivement, comme la course automobile ou sportivement ou artistiquement parlant, dans le métier de comédien, il y a quand même beaucoup de technique qui doit, à un moment donné, se présenter pour forger un personnage, pour se mouvoir, pour apprendre à raconter une histoire. On ne se sent pas très légitime au début quand on se retrouve face à des monstres, des super comédiens qu'on estime beaucoup. On s'excuse d'être là. Et on est imposteur. On a vraiment l'impression d'être un imposteur. Et ce n'est pas depuis très longtemps que je me sens légitime. Les mots, de nouveau, l'écriture, je me sens légitime parce que le succès qui me tombe dessus aujourd'hui est dû à ce que je suis. Donc j'aurais pu me planter pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, je me suis planté pendant des années. On ne voulait pas de moi, parce que j'étais ce que j'étais. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai toujours été très fidèle à ce que j'étais et toujours sincère par rapport à ce que je faisais. Mais ce n'est pas payant. Ce n'est pas forcément payant. Mais le jour où ça fonctionne, c'est payant. Parce que les gens, du coup, vous aiment pour ce que vous êtes. Et j'ai découvert que... Enfin, je me suis senti légitime là-dedans, par rapport, puisque ce sont mes mots, c'est ma manière d'être. Et voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a une filière belge de migrants en France, qui s'exilent en France ? Parce que c'est incroyable le nombre d'artistes, d'humoristes aujourd'hui, d'acteurs. Oui. Bon, alors c'est vrai que c'est une question un peu, voilà, un peu récurrente, mais vous avez compris pourquoi, vous ? Déjà, vous avez remarqué, il y a moins de blagues belges qu'avant. Alors, si... Il reste les blagues de blondes. Alors, les blondes belges, vous imaginez? Vous en avez une? Non, je ne suis pas très blague, moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Alors, déjà, les portes sont ouvertes avec l'arrivée de Brel. Ça a commencé encore à déconner parce qu'on pensait que Brel était français. Quand on a commencé à comprendre que Poelvoorde... Bah, tous les Belges qui ont du succès, pour nous, ils sont français. Hein. C'est vrai. Si ce n'est qu'à l'arrivée de Poelvoorde, avec un nom comme ça, il avait un peu de mal à le considérer comme français. Et j'ai l'impression que c'est arrivé avec Poelvoorde. Parce que derrière Poelvoorde, il y a eu Cécile de France, il y a eu les Frères Dardenne, il y a eu... Virginie Efira, ouais. Cécile, voilà. Tous ces gens-là ont commencé à donner tort à tous les Français qui considéraient la Belgique comme partie, comme ça, dérisoire d'un territoire qu'ils ne comprenaient pas très très bien. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans... Pour Canal, j'ai dû faire un reportage à Bruxelles pour leur montrer ce que c'était que Bruxelles. Et c'était limite si je ne leur expliquais pas qu'on avait, nous aussi, une poste, que nous aussi, on avait des chiens à quatre pattes, qu'il y avait des... Et de l'eau au robinet. De l'eau au robinet, des passages pour piétons où les voitures s'arrêtaient pour laisser passer les piétons. Totalement surréaliste. Hein, à Paris, la différence d'ici, oui. C'est d'ailleurs la différence entre... quand je viens à Paris, c'est toute la différence, c'est ça. C'est que je m'arrête au passage pour piétons. Ouais. Les Belges sont plus disciplinés. C'est même pas qu'ils le sont plus, c'est normal de s'arrêter pour les piétons, de ne pas les écraser. Parce qu'ils nous l'ont rien fait, quelque part, ils sont gentils. Le piéton est quelqu'un de gentil, donc ça ne sert à rien de l'écraser. A priori. Oui. Alors qu'à Paris, on ne considère pas le piéton comme quelqu'un de gentil, a priori. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que oui, j'ai l'impression que c'est grâce à des gens comme ça que l'image de la Belgique s'est transformée. Alors vous êtes en pleine, c'est pas très joli, hein, comment on va dire, promotion, c'est pas venant trop de beau, vous, hein. C'est très joli, non, Catherine. J'y crois pas. Forcément. Hein. De promotion? Ouais. Non, c'est-à-dire que... On est allé, vous êtes en train de défendre un film. Je viens de faire goûter le plat qu'on a réalisé. Voilà, ah, pas mal. Et nous nous sommes rendus donc là où vous donnez les interviews, dans un endroit magnifique, un hôtel de luxe, et on a passé un moment avec vous, et on a découvert cet endroit, puis on a découvert cette journée avec vous, Magali Defer et Pierre Coutier. Nous sommes en train de se faire repeindre. Nous sommes dans un hôtel, dans la salle de bain de l'hôtel, Peninsula. Je suis là parce que je viens parler de Paris Willoughby. Et on me fait une toute nouvelle tête.
J'adore les hôtels. On est très curieux de voir la chambre qui nous est attribuée. D'ailleurs, une fois sur deux, je change de chambre. Je me dis que l'autre est mieux. Alors que celle-ci est bien déjà, hein? Non. Room service. Et alors, papa, je suis super déçu parce que c'est beaucoup moins bien. Donc, j'essaie de récupérer l'ancienne, mais c'est trop tard. Alors, je change d'hôtel. Right. Ah, puis sinon, il faut encore pousser sur les boutons ici. Moi, je pensais qu'on avait un... Lobby. OK. Quand je travaille et que je suis dans un bel hôtel, j'ai l'impression d'être en vacances. De toute façon, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment un travail. Je suis tellement content de ce que je fais, de ce qui m'arrive. Il y a Spirou qui est parmi nous. Ça va aller. J'ai jamais aimé la notion de travail de manière rébarbative. C'est pour ça que j'ai voulu être pilote de course, comédien. Alors certes, il y a du travail, mais de faire quelque chose qui me plaisait et de faire du plaisir le but de ma vie. Il y a beaucoup de bons côtés dans ce métier. Et effectivement, les hôtels, c'en est un. Ici, vous avez... Qu'est-ce qu'on a ici, au fond? C'est une pièce montée qui est tout à fait remontée. Je pense métier, tout ce qui se passe comme... Vraiment comme un artisan, comme une chance de tous les jours. Moi, je suis très gourmand, en plus. Donc, quand on est gourmand, ça veut dire qu'on a encore quelques sensibilités, quelques envies privées. Il ne faut jamais mettre ça sur une porte, parce que du coup, on a envie d'y aller. Mais c'est une ville, non? C'est une ville, carrément. Ah, ça ressemble à des cuisines. J'adore faire la cuisine, j'adore les restaurants. C'est vraiment une de mes passions. Je pense que j'aurais pu ouvrir un restaurant dans une autre vie. Ah, la table est mise. Alors, ils mangent de manière un peu particulière ici, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur le côté. La soupe, ça coule tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cet endroit? Ici, c'est la table du chef, à mon avis. Moi, je vais venir un jour ici. Moi, je veux dire m'asseoir et manger. Vous allez goûter des petites spécialités du chef. Ah oui? Ouais. Ah, formidable. Ça, vous êtes prêts? Et ça, sont des œufs de Tobéco. Des œufs de poisson, ouais. Ce sont des œufs de Tobéco, franchement. Attendez, parce que moi, avec les baguettes, il faut vous reculer. Ceci est très exotique. D'ailleurs, rappelez-moi, nous ne sommes pas à Paris, ici. Après avoir été dans les très fonds de l'hôtel, allons dans les très hauts. Merci, messieurs. Vous avez un bon sens de l'orientation, hein? En même temps, c'est fléché. Voilà, ça marche. La vue est dingue. Et alors moi, je vais vous dire, ça me touche particulièrement parce que pour moi, Paris, c'est le théâtre de ce qui m'arrive. Je compare toujours ça à une petite graine, une petite plante. Alors à Bruxelles, moi, j'ai l'impression d'avoir semé, d'avoir une petite pousse, et puis à Paris, d'aller chercher la lumière, et ça m'a permis de grandir. C'est un truc de dingue. Merci en tout cas pour cette balade privilégiée. C'est un bon moment, ça? C'est une bonne période? Là, ici? Ouais. Oui, il y a un bon karma. vous êtes d'accord pour recevoir Alec Lutz? Mais c'est même pas que je suis d'accord. Je vous trépignez de joie. Oui. C'est bien, allez, on parle de votre actualité. Alex vient nous rejoindre. Bonjour, Alex. Bonjour. Alors, on se connaît. Cette démarche chaloupée. Oh, regardez-moi ça. Ouais, pas mal. Bonjour. Et moi, rien du bah tout. Oui, si. Non, après rien, tout, pourquoi non, je ne le ferais pas? Un peu d'intimité. Moi, je comprends du beurre, je sais bien. Je n'ose pas. Non, on ne s'est pas embrassé. Ah ben, embrassez-vous. Non, mais on ne se connaissait pas. Hein. Bah, la prochaine fois. On peut s'embrasser, c'est un peu dans le cinéma. Oui, c'est vrai. Coco. Dans nos milieux. Bien sûr. Comment allez-vous? Bah, très bien, je suis ravie d'être ici. Vous avez mis votre petit pull marin. Mon petit pull. Et j'ai été mal avisée. Parce qu'il fait chaud. Mais bon, après. Oui, mais vous ne saviez pas qu'il y avait une cheminée? Non. Non. Maintenant, si tu transpires, ton pull est ton ami. Oui. Donc, la joie des familles recomposées. Oui. C'est ça qui est formidable. Le couple, les enfants, le beau-frère qui est aussi, par conséquent, l'oncle. Et vous vous rendez donc à l'enterrement du grand-père. Du père de mon père, voilà. Celui et de du grand-père Isabelle des enfants. Carré. Voilà. Voilà. Qui nous a abandonnés, enfin, croit-on. On croit longtemps qu'il... Surtout mon personnage. Paris, Willoughby, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Paris? Paris, c'est une... c'est un vous voulez parler de Willoughby, évidemment. Willoughby, ça ne veut absolument rien dire. Et c'est une ville inventée. Voilà. Mais le cinéma, il y a quelque chose d'inventé. C'est de la fiction, en fait. Parce que tu n'es pas vraiment mon beau-frère. Non, tu n'es pas vraiment mon beau-frère, non. Non, c'est... Vous aimeriez, d'ailleurs? Ah bon, on s'est bien marié, oui. C'était vraiment une famille. Oui. Une vraie famille. Mais on dit ça à chaque fois. Non, c'est vraiment vrai. Non, parce que c'est des films qui parlent pas de famille, on le dit pas. On trouve d'autres
oui. truc de qualificatif, aventure extraordinaire et tout ça. Et puis s'il joue pas mon beau-frère, je ne dis pas que c'est mon beau-frère. Voilà. Non, non, ça s'est fait à la lecture, hein, ce genre de lecture. Je fais que ça. J'essaie de des segments. des segments pour bien voilà. organiser ma pensée. Oui, manger ça. Des dîmes secondes. Oui. On va tenter de comprendre. Alors. Eh bien, à cette lecture, ce premier segment, on a tout de suite. Segmenté. C'était il y a très longtemps. Bah, non, mais le scénar, il a démarré il y a 4 ans. Oui, parce qu'on a tourné il y a un an. Sinon, ça se verrait sur nos visages. La première version, c'était il y a longtemps, oui. Et après, ils ont refait des versions. Nous, on a accepté avec Isabelle très tôt. Je crois que Stéphane tout très vite après. Et puis, on a fait ce segment lecture. Premier long métrage. Et ça s'est très, très bien passé. Et premier long métrage pour ces deux réalisateurs. Oui, oui. Et je ne pense pas le dernier, parce que c'est sur deux garçons qui savent très, très bien où ils veulent aller. Et qui ont réalisé exactement le film. Ce qui est sympa de votre part, c'est que vous ne les citez pas. Eh bien, Arthur. Mais parce que j'attendais Arthur. Alex. C'est un lapsus. Ah, bah donc on écorche mon nom finalement. Voilà. Mais ça te va très bien, Arthur. Appelle-moi Quentin. Et alors, vous avez comme ça deux jeunes réalisateurs. Voilà Arthur Dallaire et Quentin Reynaud. Alors, vous n'y croyiez pas du tout à l'époque. Il y a deux i, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Vous n'y croyiez pas. Au film Non, c'est Arthur. J'avais quelques doutes sur Arthur Dallaire. Voilà un garçon qui a 25 ans, qui est régisseur sur un tournage et qui me sert des cafés parce que c'est le rôle ingrat du commissaire, j'allais dire. Mais le commissaire Maigret. Il y a une plainte, donc voilà. Et donc c'est celui qui nous dépose le soir, qui vient nous chercher le matin à des heures pas possibles. On lui demande sans arrêt une brochette, des chips, enfin, tout ça, c'est, il est aux petits soins. Et donc, pendant qu'il me ramène un soir, il me dit, j'ai écrit un scénario de film, et nous, on est là en train d'étudier le texte pour le lendemain, on dit, oui, c'est super, et je vais réaliser mon film, oui, c'est super, tu penseras à m'amener du café demain. Et puis, 6 mois plus tard, il m'appelle en disant, salut Stéphane, c'est Arthur. Non, qui? Oui, mais tu sais, je t'ai dit que je voulais réaliser un film, oui, tu m'as dit, pour prendre un café. Et il m'a dit, non, mais voilà, le film, il est là, Isabelle Carré va jouer dedans, j'ai en plus un gros mytho, et il dit, non, mais je te jure que c'est vrai. On ne jure pas, Arthur. Jusqu'au jour où je lis le scénario, que je rencontre Quentin, qui me présente Alex et toute la famille, et on fait une première rencontre, et immédiatement, on se dit, cette famille est là, et ce film va fonctionner. Vous l'avez vu, la bande-annonce? Oui. Est-ce que vous avez vu le film? Oui. Oui. Plusieurs fois, d'ailleurs. Ah bah oui, parce qu'on a fait des lancements d'avant-première, de tout ça. Donc, parfois, vous êtes déçu? Ça peut arriver. Par le résultat? Ah oui. Alex, jamais, moi. Oh, ça, c'est gentil. Non, ça peut. Ça vous est arrivé. Ça peut arriver. Non, ce qu'on ne sait jamais. Mais vous ne le dites pas dans ces cas-là. Ah si, on peut dire. Oui. Ce qui est curieux, c'est de découvrir le film alors que vous l'avez lu, vous l'avez imaginé. Quand on le reconnaît pas, oui, c'est bizarre. Oui. Ça peut arriver. On se dit bah tiens, alors mince. Là, c'est pas le cas. Non, 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 parce qu'ils avaient été assez explicites sur leur univers, sur la colométrie du film. Il y avait un storyboard en plus. Il y a le storyboard, ils sont quand même très techniques. Ils ont storyboard, ça veut dire scène par scène. Scène quoi, par scène dessinée. Oui. C'est dans un habitacle, parce qu'il y a quand même une bonne partie en fait, du film qui se passe dans une voiture, oui. Un habitacle. Donc vous êtes, à ce moment-là, vous êtes les six. Oui, mais vous êtes six. Oui. Non, bien sûr. Et sur fond vert. Et sur fond vert, une partie. Ce qui est... En fait, quand ça se passe bien, quand la famille prend bien, assez, il la rend. Oui, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'on est dans une... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ce que je dis. On a eu beaucoup de plaisir. On s'est marré tout le temps. Il y avait beaucoup de fou rire, ouais, c'était pas évident. Il faut espérer que ceux qui vont y aller vont autant s'amuser. C'est un film émouvant aussi. Hein. Oui, voilà. C'est une comédie, parce que c'est c'est important de dire qu'il y a aussi une alternance de sincérité. Aussi. Parce que quand on dit aux gens, ouais, c'est la comédie et tout... Il faut quand même dire, c'est aussi un film qu'ils ont voulu eux-mêmes émouvant et qu'ils appellent une comédie sentimentale. Je trouve ça assez juste. Avec du sens. Est-ce que tu penses que j'aurai des gros nichons un jour, moi aussi? J'en sais rien, Prune. Tu peux mettre le couvert en attendant? Tu peux pas frapper, putain. Quel blaireau. Bah, en même temps, c'est un peu ma chambre, quoi. Ça t'ennuie de lui prêter ta chambre? Papa! Bah oui, ça m'ennuie. Pourquoi tu demandes pas ça à Marc? C'est très bien que ton oncle a besoin d'espace pour écrire. Pour écrire On va ressembler à un couple au bord du divorce, moi, je trouve. Bonsoir Maurice. T'as le droit de m'appeler papa aussi. Laisse-la vivre un peu. Tu gères l'éducation de ton fils et je m'occupe de celle de ma fille, ok? C'est vrai, je peux t'aider là? Il y a quand même 3 millions d'animaux qui sont plaqués dans des hangars et je vous dis pas le stress qu'ils ont. T'es juste une énorme tapette en fait. Papa est mort. On l'enterre après-demain. Vous partez en vacances? Oui. Non, en fait, c'est funérailles. La femme de mon père. Là, le père de ma femme. Ça fait longtemps que tu m'as pas regardé comme ça. Je suis trop vieille, c'est ça? On est en voyage. On visite un lieu qu'on ne connaît pas. Pardon, madame. Oui? On découvre une culture différente.
c'est immonde. Hein. Mais ça fait partie de l'expérience. Bon. Hop, les leçons de vie du parc Astor, c'est bon. Mais c'est toi mon problème. Tu m'as touché là. T'es très agressif. Allô ? Je suis sûre que ça joue beaucoup sur l'attitude de Lucie, ça. Mais quelle attitude ? Non, bien sûr, t'es pas ma mère, Claire. Donc occupe-toi de ton père, de vos non-dits et de vos rancœurs, et puis tu me laisses tranquille. Pourquoi vous abandonnez, grand-père ? Nous prunetons, ton grand-père nous a pas vraiment abandonnés. Claire a besoin de nous. Et toi, tu fais aucun effort. T'as l'air triste. Tu te rends compte qu'on a perdu 7 ans de notre vie avec papa à cause de cette rancune à la con ? Arrête de dire de la merde ! Une fois qu'on est tous réunis, j'aimerais bien qu'on se retrouve un peu. C'est un beau jour pour pardonner. Quel effet ça vous fait quand vous voyez sur une affiche ? Bizarre. Bah, encore ? Non, mais disons qu'on s'y habitue. Je parle pour moi, c'est pas très naturel, je trouve. Mais bon, voilà, c'est bien. Est-ce que ça vous est arrivé de vous prendre en photo devant l'affiche ? Dans la rue ? Une fois à l'Olympia. Ça ne m'étonne pas. Ça servait à rien, il y avait qu'un bout de Z et un... Enfin, bon, voilà. Et vous, Stéphane ? Oui, de prendre des photos de l'affiche, oui. De voir des affiches dans Paris. Oui, parce qu'on est quand même content de faire ce métier et de voir que les choses qu'on fait fonctionnent et sont appréciées. Ou... Vous avez autant de notoriété en Belgique qu'en France ? Oui, mais l'entretien de la notoriété en Belgique est inexistant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission de télé qui entretiennent ça. Il n'y a pas de magazine People. Il n'y a pas, il y a aucun star system. Zéro. Parce que c'est lié à la nature du Belge qui est plutôt bonhomme, qui se contente de ce qu'il a et il n'a pas envie de faire plus de bruit que ça. Tout lui convient. On est dans la culture du non-dit. On ne revendique pas trop les choses. On ne descend pas dans la rue à couper des têtes et à faire la révolution. À tout bout de champ. Du coup, pourquoi c'est comme ça ici ? Non, mais vous avez un esprit plus révolutionnaire et plus revendicatif. Rebelle. Rebelle. Mmh. Voilà. Bah oui, c'est vrai, c'est bien, non ? Mmh. Oui. On en est assez contents, non ? C'est bien, ça veut dire que chez nous, c'est pas bien ? Oh, bah, c'est un peu... Molasson ? Non, mais tout ce que tu dis, c'est... Non, si, c'est bien. C'est bonhomme. T'as pas vu tes bonhommes ? Si, si, si. Bien, un peu de panache, oui. Non ? Eh bien, on a bah, pas... Là, ça sera vide, hein. C'est non, dommage. On a ce panache-là dans l'esprit, mais pas dans la démarche. Il y a quelque chose que je viens de dire, oui. Tous les deux, vous avez gardé une âme d'enfant. Oui. N'est-ce pas ? Moi, je vous vois bien venir. Oui, parce qu'il y a des accessoires. Voilà. Nous, ne la faites pas l'envers. Il y a des formules nulles. Alors, regardez. Stéphane, la rouge, c'est la vôtre. D'accord. Regardez, il y a Michel qui va donner le départ. Ah oui. Oh, voilà. Regardez. Ne touche pas ma voiture. Il y a un signalement. C'est déjà en train sur le parquet. Oh là là, j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la voiture la plus rapide qui m'était donnée de piloter. Ça attention, voilà. Le décompte. Ce qui est arrivé au pilote, en vrai. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Par là. Complètement con. Ça, mec. Ah, mais tu me dépasses. Mais j'aurais rien à foutre. Oh, bah, alors, je vais par là. Pour une fois que je peux gagner une course. Alors. Je vais serrer là. Alex. Ah bah oui, attendez. Une histoire d'orgueil. Il a gagné. Bravo. Il est beaucoup plus fort en marche à pied que... Il a gagné. Je ne savais pas que tu étais aussi fort que ça en pilotage. Voilà, merci. Toujours en vainqueur, des fleurs. Vous savez, en général, c'est les fleurs, la bise. J'ai bien fait de serrer les là-bas. Les pom-pom girls. J'ai bien fait de tricher. Ouais. On ne le voit pas comme ça, mais je suis hystérique. Bon, merci. Chapeau. Chapeau. En partage, oh, écoute, ouais. Sans casque, sans rien, sans entraînement. Vous allez rentrer avec le bouquet de fleurs chez vous ? Ah oui, bah oui. Ouais. Avant ça, il y a un article, parce qu'on va te faire une petite interview pour la course, pour que tu puisses parler oui, de tes sais, sensations. Oui, je sais, c'est la job press jump cut qui est après. Si je reviens un peu à vos premiers amours Canal, une personne qui vous a pas mal aidé, c'était le supplément de Canal. Oui. Mais ça a de tout qui changé. Je parle ? De Maïtena ? Ouais. Attendez, parce que vous allez être très surpris, peut-être même assez content. Ouais. Elle a dit quelques mots sur vous. Je l'ai rencontré sur la matinale, puisque c'est là qu'il a commencé à travailler sur Canal. On se levait à 4h30 du matin.
Et lui, il va quand même très très vite. Et déjà, quand on a bien dormi, il faut le suivre, Stéphane. Mais quand on n'a pas dormi, c'est quelque chose, une espèce de truc, de la drogue en fait. Hein. Voilà. Stéphane, il est ingénieux, créatif, dans un monde bien à lui. C'est-à-dire qu'il va prendre ce que communément nous on utilise, et en le mettant à sa sauce, il va créer quelque chose. Elle est nulle ma définition, mais c'est le truc d'un artiste en fait. C'est un rire très particulier parce qu'on est toujours dans l'expectative de ce qui va suivre. Il faut suivre, il faut écouter, il faut être beaucoup dans l'attention. Son texte me fait hurler de rire, mais sa performance me fait hurler de rire aussi. Je vois bien que ses livres ont un énorme succès, mais moi je peux pas parce qu'il me manque quoi. Il faudrait qu'il soit dedans et qu'il sorte du chapeau pour faire ses trucs parce qu'on voit tout sur son visage. Ah, ce jeu de mots là, il est vraiment pourri. Et enfin, tout se voit quoi, c'est très drôle. J'adorerais le voir jouer Molière, je pense qu'il serait très très bon dans Molière. C'est son phrasé, c'est son rythme, Molière, ça va vite. C'est enlevé. Oui, ça lui ressemble. Qu'est-ce qui représente pour vous Alex Mutz ? Ouais, Catherine ou Liliane ? Mince, je sais plus. Je sais plus. Alex, t'es Catherine ou t'es Liliane ? Qu'est-ce que tu fais encore chez Catherine Sellac ? T'es tout le temps, t'es au café, Alex Mutz, c'est pas possible. Oh, merci. Merci, Maïté. Maïté Navier-Ravenne. Vous voyez, évidemment, elle disait que des choses sympas sur vous. Bah oui, oui, oui. Il y a une vraie complicité entre vous. Hein. Ah, mais je lui dois beaucoup parce que dans ce genre de performance, entre guillemets, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui fasse le trait d'union. Elle était le trait d'union entre le public et ce que je pouvais faire. Elle était le déclencheur de ce rire. Elle a été... Elle était tout à fait le complément de cette chronique. Sans elle, cette chronique aurait eu une autre saveur. Alex, vous avez des failles, vous. Enfin, vous voyez des choses quand même qui sont dans votre propre vie, dans votre vie professionnelle, où vous dites, il faudrait vraiment que je change, je me transforme, je me fasse du bien. Vous avez des doutes permanents. Ah oui, non, des doutes pleins, oui, tout le temps. J'ai la mélancolie facile. Mais vu qu'elle m'aide à est-ce que ce soit plus rigolo après, je sais pas comment m'arranger avec cette histoire. Quels sont vos garde-fous dans votre vie perso? Les miens, les proches, les amis, toujours les mêmes, voilà. Ça a changé quelque chose Oui. La petite bague là? Oui, oui, oui. Ouais, c'est chouette. Oui, oui, voilà. Ouais. Bon, d'accord. Oui, c'est surtout que nous on l'a fait après 1000 ans, alors c'est vachement... Ah, si. On en parlait aujourd'hui, c'est bien de faire ça après. C'est bien de le faire dans l'autre sens. Oui. Valider quelque chose. Oui, on a eu l'insensé. Et alors, je ne pensais pas que je serais bouleversé à ce point. Et c'est vrai que c'était vraiment bouleversant. Mais parce que, oui, parce que c'était une manière de valider un bail ensemble, quoi, ouais. De vie. Voilà. Par une institution. Par une institution, ouais. Puis l'envie de dire, allez, on signe. C'est chouette. Là, on parle du mariage, hein, mais je pense que vous avez compris. Voilà, mais bon, voilà. dites-moi, Alex. Ben, ça y est. Donc, à l'Olympia, plusieurs dates, du 26 février au 6 mars. Oui. Ce soir, vous êtes à Longjumeau. Ah bah voilà, j'y vais. Le alors. 22 janvier à Tavernier et le 23 à Champigny-sur-Marne. Ben, les dates parisiennes, je le dis parce que c'est bizarre à dire. C'est une première fois, bah voilà. C'est les dernières dates parisiennes. Mmh. Ça fait bizarre. L'Olympia. On s'attache, hein. On s'attache au spectacle. Oui, parce que je l'ai beaucoup emmené. Et puis, c'est vrai que je l'ai transformé. Changé, corrigé, je me suis beaucoup amusé avec. Là, c'est les dernières dates à Paris. Je fais la tournée encore, comme vous l'avez dit, encore un an, et puis on verra bien. L'artiste qui expose sur le plateau de Thé ou Café ce matin a pour nom Soo Kyung Lee. Elle est coréenne. Dans sa peinture, tout commence par des aplats de couleurs, et ce sont des formes libres qui donnent vie à son œuvre. Soo Kyung Lee, à la galerie Jessie Ribbon, rue de Turenne à Paris, dans le 3e. Puisqu'on parle des gens et de l'art et de la vie, je voudrais, pardon, juste saluer le spectacle d'Isabelle Carré au Théâtre de l'Atelier, où elle est juste formidable. Voilà. Comme toujours. Oui. Ah, mais vraiment, alors, il y a justesse. Des artistes, on peut dire comme toujours, c'est vrai. Mm. Elle est démente à chaque fois. Alors demain, c'est Guillaume Durand, l'homme des médias, qui sera avec nous. Et puis une femme qui apportera son témoignage. En fait, elle apporte du soulagement par l'acupuncture aux réfugiés victimes de barbarie, et notamment de l'État islamique, au Kurdistan irakien. Elle s'appelle Élise Bogossian. Et c'est un témoignage vraiment d'une grande force que vous pourrez entendre demain matin, 7h. Voilà, l'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi en plus sur plus.fr, vous savez, pendant une semaine. Mais ça, vous connaissez ah bah oui, plus.fr, oui, bien sûr. Comme ça, libre service. Et puis aussi sur notre site, Thé ou Café, et ça non-stop.
C'est-à-dire que vous serez en permanence sur notre site, vous le savez, ça. Ah non, je ne savais pas, je croyais que c'était Plus et terminé. Non, non, pas du tout. Bon, allez, portez-vous bien. On se quitte cette fois. Au revoir, à demain. Merci. On fait un petit selfie? Oui, c'est le fond. Ah bah oui, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. She's clean and I'm broke, shit.